Coucou Léonie. Et c'est papa et maman. Coucou. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Léonie et aujourd'hui je vais aller à l'hôpital et vous allez pouvoir me suivre tout au long de la journée. CRCM, le centre ressources Mongol. Bonjour. Bonjour Léonie. Marie-Paul, c'est la secrétaire. C'est celle qui m'accueille au CRCM. Tu vas bien? Oui, très bien. Bon, parfait. C'est bon, t'as mis ta petite solution hydroalcoolique? Ça a été fait? Oui. Super, bon, je t'accompagne. Allez, aujourd'hui, t'es en âme. Ah, super. Vas-y, je te laisse merci entrer. Beaucoup. Et je préviens Hélène. Parfait, merci. Dès que j'arrive, une des puéricultrices met mon bracelet d'identification. C'est bien moi, Léonie, 13 ans, née le 28 février. Passage par la radio. Rosie va me faire une radio pulmonaire pour voir l'état de mes poumons. Donc tu te rappelles, on a là deux radios à faire. Oui. Une de faire. Alors, je crois que t'as un petit collier. Ah, tu peux me permettre de t'entrer? Oui, pas de soucis. Tu peux respirer. Tu peux bouger aussi si tu veux. Alors vas-y, gonfle les poumons, tu bloques. Tu peux respirer. Top, c'est parti. Puis les EFR avec Sabine pour surveiller ma capacité respiratoire. J'avais pas noté l'autre jour que c'est sur YouTube, hein, Théo? Oui. Redis-moi ce que c'est. J'avais pas noté, du coup, ma petite tête n'a pas retenu. C'est une vie de muco. Une vie de muco. Ok, voilà. Je veux bien que tu enlèves tes chaussures pour que je te mesure. Vas-y. Et quand je vais te demander, tu vas bien inspirer et souffler le plus fort et plus longtemps possible. De toute façon, tu me dis que ça va? Encore une fois tranquille. Et tu inspires. Souffle! Encore, 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 encore. Ok, tu peux ouvrir la bouche. En temps normal, la porte plus ouverte. Mais... Hop. Voilà. Merci. Et je vais aller chercher les récits. Tu peux même passer par là. Ah oui, c'est bien. Ah, il y a gauche. Mes consultations commencent avec Hélène. C'est la puéricultrice qui me suit au CRCM. Nous allons faire une séance d'éducation thérapeutique et une prise de sang. Mais avec la crème magique, ça ne fait même pas mal. Ça, c'est sa tenue, normalement. Pour les petits garçons, tu as normalement une perruque. Avec ah, c'est des cheveux courts. Une perruque. Et donc, voilà.
tous les... Hop. Ça, c'est le cœur. Alors, ce que je te propose, tu vois, il y a ce qu'on appelle un système cardio-respiratoire et un système plutôt digestif. Alors, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que ça peut être, ça? Un piment. Le pancréas. Ah, alors lequel c'est le pancréas? Ça. Non. Ça. Lequel? Parce que là, tu vois. Ah, c'est ça. Tout à fait. Et donc l'autre, qu'est-ce que ça peut être, l'autre? Les reins, on les a déjà mis. Les reins, on les a déjà mis. Ouais, ils sont le là. Le foie. Tout à fait. Donc le foie, lui, il est ici. Le foie avec la vésicule biliaire. Donc ils sont en dessous, ici. Et tu vois, là, le pancréas, ça va être relié au niveau de la sortie de l'estomac et de l'intestin grêle. Voilà. Et donc là, on a le foie. Comme ça. Un petit peu plus haut. Et là, c'est un organe, je ne sais pas si tu connais ça. Ça joue beaucoup dans la défense immunitaire. C'est ce qu'on appelle la rate. Ah, si, ça me vient tout. Voilà, du coup, on va la placer par ici. Enfin, celle-ci, elle a, au niveau de la muco, il n'y a pas trop d'incidence. Là, en fait, on mesure le taux d'oxygène que tu as dans le sang. Là, il est de 93. Voilà. Et la normale, normalement, c'est entre 95 et 100. Donc là, on voit que tu as un petit peu de mal à respirer. Et peut-être que tu as besoin d'oxygène. Et à côté, le chiffre, le 127, est-ce que tu te souviens ce que c'est? C'est le battement du cœur. Voilà, le rythme cardiaque. Ça va avec les problèmes respiratoires et l'infection, parce qu'il est un petit peu élevé. Puis la consultation médicale avec le docteur de Neuville et le docteur. Bon Léonie, ça va? La radio, je te rassure tout de suite, on ne montre pas de choses nouvelles par rapport à celle de la dernière fois. Il n'y a pas de complications, des choses comme ça. J'ai pas trouvé de soucis. Donc je n'explique pas trop tes douleurs là du coup avec ça. C'est au moment des injections, c'est comment ça se passe? Bah si, quand j'inspire trop fort, ouais. Quand j'expire trop fort, quand je tousse, quand je me tourne, quand je dors. Du coup, Léonie, ça se passe comment la cure? Bah, ça se passe très bien. Tu supportes bien les antibiotiques? Oui, pas de soucis. Pas de vent, pas de choses comme ça? Non. Non. Mais tu vas faire du vélo un petit peu? Oui, oui, bah, j'ai la coach sportive qui vient le jeudi. D'accord. Enfin, du coup, là, c'est en visio, mais. T'es moins essoufflée là, ces jours-ci? Oui. Ça te fait tousser un peu quand tu fais des efforts ou pas?
Oui, ça m'a toujours fait un peu tousser. Quand tu ris, quand tu es contrarié. Isabelle, c'est la kiné. Nous faisons des exercices de respiration pour mobiliser mon mucus. T'avais repris là après les vacances quand même. Oui. Oui. Là, tu vas plus depuis quand? La semaine dernière Vendredi. Depuis vendredi, ouais. Et t'avais revu Sophie? Je vais la voir. Tu vas la voir là? T'en as quoi? Ah non, non, la pas. Oui, Sophie, là, la liette. Mais non, chez toi, elle était revue en septembre, du coup. Oui, elle était revue. Et du coup, bah, là, c'est en visio. Elle te fait encore en visio, d'accord. Ouais, c'est obligatoire en visio. Avec Sophie, la diététicienne, on parle de mon alimentation. La période justement où tu manges moins, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais de reprendre un peu de fortimène ou pas? Bah, j'aime pas ça. Ou sur un autre? Je n'aime plus. Bah, en fait, ils ont changé la recette et c'est plus bon. Mais il y en a peut-être d'autres, il y a peut-être d'autres marques. Non, j'aime pas les autres. Tu as testé quoi? Tu te rappelles ce que tu avais testé? Les Trinitrink, les... Oui. J'ai tout essayé. Et même celle en crème? Les délicales? Ah non, c'est pas bon ça. C'est la yaourt. Pire. Le seul truc que j'avais bien aimé, c'était les gâteaux, là, la framboise. Les Nutracakes. En fait, je refuse bien de goûter parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. C'est pas la même chose, tu n'avais pas testé. Non, j'ai pas testé. En fait, c'est surtout, Léonie, dans les périodes où tu n'as pas faim. Voilà, ma journée au CRCM se termine. Il arrive parfois que je rencontre la psychologue et l'art thérapeute si j'en ai besoin. Et mes parents, l'assistante sociale. Mais pour aujourd'hui, cela n'est pas prévu. Voilà Léonie, on se revoit dans 2 mois. Ouais. Ouais, ça te va? Oui. Je te propose le mercredi 13 janvier. Tu commencerais à 13h45 avec les EFR. D'accord. Tu transmets à papa-maman? Bah j'écris comme ça, j'oublie pas. D'accord. S'il y a quoi que ce soit, tu nous rappelles. Ok, pas de soucis. Tu n'hésites pas. Ouais, comme d'habitude. Très bien. Merci. Bon, de rien. Eh bien, je te raccompagne.